C'était une de tes questions en conférence de presse, justement, de dire peut-être que ces joueurs n'étaient pas préparés pour jouer le maintien et ils se retrouvent là à dire faut qu'on lutte. Alors, peut-être pas pour notre survie parce qu'on n'est qu'à la 7e ou 8e journée. 8e. Et 8e journée. Samedi, on sera à la 9e. Je crois que je suis un petit peu dans le noir. Là. Je vais essayer de trouver la. On n'a pas payé la lumière. Bien. Je suis dans la rédac, je suis bien. Ouais, bah toi, attends, je vais essayer de ne pas me casser la figure. C'est assez. Et tous les gens, ils font la fête, mais ils ont la lumière, eux. Hein. Donc, je vais me rapprocher un petit mais peu. Mais eux, ils font la fête, ils sont combien mais ils sont quatrième. C'est ça. En fait, c'est ça le côté assez presque remarquable. C'est que c'est Rodez en face. Et Rodez, a gagné ça. Tiens, je me mets à la place de Patrick Kisnorbo tout à l'heure. je fais comme chez moi. Et Rodez, troisième victoire consécutive.